Les récupérateurs d'eau, trois astuces à savoir. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des récupérateurs d'eau. Peut-être par ces temps de canicule, on a de plus en plus d'été sec. Peut-être que vous vous demandez comment faire pour arroser vos plantes. Si vous avez fait de jeunes plantations, vous voyez une plante qui est en train de souffrir dans le jardin. Aujourd'hui, je vais vous donner donc la solution des récupérateurs d'eau. Mais peut-être que ça vous semble compliqué à installer sur une gouttière. Peut-être que vous avez peu de temps à y passer aussi. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste et vous allez pouvoir savoir si vous vous sentez capable de le faire par vous-même. Enfin, vous vous demandez peut-être comment entretenir le récupérateur d'eau parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a des bonnes pratiques pour que votre récupérateur puisse durer de longues années. Et ça, peu de particuliers le savent. Aujourd'hui, nous allons voir trois astuces qu'il est important que vous sachiez sur les récupérateurs d'eau. Allons-y. Mais avant cela, laissez-moi me présenter. Bonjour, donc je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager donc leur jardin par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, j'ai créé un petit guide gratuit pour vous aider en fait à partir sur de bonnes bases pour la création ou la rénovation de votre jardin. Vous trouverez le lien pour le télécharger facilement quelque part autour de cette vidéo. Peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais il y a une solution pour pouvoir arroser vos plantes en cas de canicule. C'est qu'un récupérateur d'eau s'est toléré malgré les arrêtés préfectoraux. Bien sûr, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'eau du robinet, ni si vous avez un puits, d'utiliser votre puits artésien qui directement prend de l'eau dans la nappe phréatique. Il faut savoir qu'un récupérateur d'eau, c'est une super solution. Hein, et de plus en plus, il y a de l'intérêt à ça parce que c'est une source d'eau que vous avez le droit d'utiliser, qui vient de la nature. C'est écologique. Au lieu qu'elle se perde, cette eau, vous la récupérez pour pouvoir arroser les plantes qui en ont besoin. Donc l'astuce numéro 1, nous avons vu, c'est qu'un récupérateur d'eau de pluie, c'est permis, c'est toléré en cas d'arrêté préfectoral qui vous interdit d'utiliser l'eau qui sort du robinet. Alors, maintenant je vais vous parler de l'astuce numéro 2, à mon sens, c'est comment gagner du temps et de l'argent avec votre récupérateur d'eau. Allons-y. Il faut savoir que pour installer un récupérateur d'eau, il faut être un minimum bricoleur. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez, donc dans les magasins de bricolage ou en jardinerie, ces petits récupérateurs d'eau, rien n'est percé. Et puis en plus, il faut pouvoir transporter ce petit récupérateur d'eau quand vous l'achetez. Hein, il faut peut-être avoir une remorque ou un grand coffre ou une grosse voiture pour pouvoir l'emmener chez vous. Alors ça dépend de la taille du récupérateur d'eau que vous achetez, bien sûr. C'est à vous de vous poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'installer vous-même votre récupérateur d'eau? Un professionnel va généralement assez vite installer un récupérateur d'eau, c'est quelque chose d'assez simple à installer, alors que peut-être que pour vous, ça va vous prendre beaucoup de temps. Alors, bien sûr, forcément, si vous l'installez par vous-même, ça sera le plus intéressant financièrement, mais la différence ne va pas être si grande, vous allez voir pourquoi. Ce que je vous conseille de faire, si vous voulez faire appel à un professionnel, c'est déjà de sélectionner vous-même votre modèle de récupérateur d'eau. Je vous conseille pour ça d'aller bien sûr dans les jardineries, les magasins de bricolage. Vous pouvez aller dans les magasins, tous les magasins qui vendent du matériel pour le monde agricole en général. L'avantage, c'est que le professionnel, du coup, ben, il ne va pas hésiter pour savoir ce que vous voulez. Et il va en plus, donc lui, donc pas avoir tout ce travail à faire. Donc déjà, ça va plus le motiver pour vous faire une petite opération comme ça, d'installation. Et il va bénéficier, lui, généralement, alors pas toujours, mais dans de nombreux cas, d'un prix professionnel. Donc, ça va l'inciter à aussi vouloir travailler pour vous parce qu'il va récupérer une petite commission qui n'est pas très grande entre la valeur du prix de vente publique et le prix professionnel. Pour vous, ça ne change rien. La remise est faite au professionnel, il a le droit parce qu'il est professionnel. Sinon, lui, il va vous refaire le prix public en fait, comme si vous l'achetiez par vous-même. Et aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vérifier les kits dont vous avez besoin pour l'installation. Parce que généralement, il ne faut pas oublier qu'on achète un récupérateur d'eau, le kit d'installation sur la gouttière.
Il peut y avoir aussi un kit pour le trop-plein du récupérateur d'eau. Le pro va pouvoir vérifier peut-être derrière, vous avez bien pensé à tout, vous conseiller aussi. Mais c'est une garantie pour vous que ça se passe bien. L'avantage pour vous de faire ça, c'est qu'une fois que le professionnel achète la fourniture, c'est lui quelque part qui est responsable après de cette fourniture. Il ne pourra pas vous dire « Ah ben c'est vous avez oublié de me fournir ci, vous avez oublié de me fournir ça ». C'est lui qui va acheter. Et pourquoi je vous disais gagner de l'argent? Parce que vous allez pouvoir faire des économies. Alors, au niveau de la TVA, si vous passez notamment par un paysagiste, vous avez le droit à un taux réduit de TVA de 10% si vous faites faire la fourniture et la pose par un professionnel. Donc c'est un petit avantage sur le prix total. Par contre, il faut que vous soyez donc le propriétaire d'une résidence principale que vous avez achevée depuis plus de 2 ans. Et puis parfois, il faut savoir aussi qu'il y a des subventions qui peuvent être faites par les communes ou les départements sur l'achat des récupérateurs d'eau. Pour ça, je vous conseille de contacter votre mairie pour voir s'il y en a dans votre ville, dans votre région. Si vous avez acheté, imaginons maintenant, par vous-même le récupérateur d'eau, non seulement vous allez passer certainement un certain nombre d'heures pour pouvoir l'installer correctement, vous pouvez faire des erreurs, et du coup qui vous coûtent assez cher. Et vous allez aussi avoir là une certaine garantie de ne rien oublier, le fait d'avoir en plus le conseil d'un professionnel sur votre fourniture et tout, voir si c'est bien adapté à votre maison. Donc je pense que ça peut vraiment valoir le coup de faire installer ce récupérateur d'eau par un professionnel. Avant de passer à l'astuce numéro 3, si vous aimez ce contenu, si ça vous apporte de l'information utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour que je vous donne plein d'informations concrètes de paysagistes pour vous aider à aménager votre jardin. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce pour m'aider à que cette vidéo soit vue par un plus grand nombre de personnes pour avoir les bonnes informations. Donc maintenant, je vais vous parler de l'astuce numéro 3. Comment bien gérer son récupérateur d'eau quand il est plein ? Alors, votre récupérateur d'eau, au bout d'un moment, va se remplir. S'il y a des orages, ça risque d'aller assez vite. Trop de particuliers l'ignorent. Il faut absolument que vous prévoyez un système de trop-plein à votre récupérateur d'eau. Alors, qu'est-ce que c'est un trop-plein ? Un trop-plein, c'est simplement l'excès d'eau, vous imaginez bien, qui va être redirigé quelque part. Il est situé en haut du récupérateur d'eau. En fait, on perce le haut du récupérateur d'eau. Et on raccorde bien souvent un tuyau d'arrosage que l'on fait aller un peu plus loin dans le jardin. Ce trop-plein, vous pouvez l'envoyer vers un massif, vers ce qu'on appelle un puits perdu. Mais il faut absolument que vous pensiez en fait à mettre ce trop-plein loin de votre maison, parce que bien sûr l'idée c'est de pas humidifier les murs de votre maison. Et puis aussi sachez que dans les kits de raccord à la gouttière, il y a souvent un système d'hivernage, c'est-à-dire une manivelle pour ouvrir et fermer l'entrée d'eau de votre récupérateur d'eau. En fait, quand il est fermé, donc l'eau ne rentre plus dans le récupérateur d'eau, mais descend la gouttière comme si vous n'aviez pas de récupérateur d'eau. Et quand il est ouvert, il y a un système de récupération d'une partie de cette eau qui coule dans la gouttière. Ce système d'hivernage sert avant tout donc à hiverner, c'est-à-dire à l'hiver, ne plus utiliser votre récupérateur d'eau. Parce qu'il faut que vous sachiez que si vous laissez de l'eau dans votre récupérateur d'eau en hiver, qu'est-ce qui va se passer en cas de gel dans certaines régions, notamment où il gèle assez fort? Faites l'expérience de mettre une bouteille d'eau dans votre congélateur, vous allez voir, mais ça va faire péter le plastique. Et bien, ça peut être la même chose avec votre récupérateur d'eau. Alors, ça ne va peut-être pas le casser, mais ça va le distendre et puis ça peut le fissurer au bout d'un moment. Ce qu'il faut savoir, on commence avant les périodes de gel, donc avant l'hiver, on n'a généralement plus besoin en plus d'arroser les jardins, donc autant vider votre récupérateur d'eau à l'avance. Donc vous le videz complètement. Et puis, donc, vous le mettez en mode hivernage. Vous tournez ce bouton pour que l'eau ne passe plus, rentre plus dans votre récupérateur d'eau. J'espère que ce sujet vous a plu, que vous avez appris des choses sur ces 3 astuces pour bien gérer votre récupérateur d'eau. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous saviez qu'on pouvait déjà utiliser un récupérateur d'eau en cas de canicule? Et puis, avez-vous un récupérateur d'eau de pluie dans le jardin? J'attends vos retours dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour le prochain sujet.